bêtises. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc ma chaîne a eu un an le 4 octobre dernier. Je suis trop contente de m'être lancée dans l'aventure YouTube. Je voulais remercier. On va commencer par les remerciements, hein. Donc je voulais vous remercier et voilà, je suis trop contente. À l'heure où je tourne, on est 175, vous êtes 175 plutôt à me suivre. Et je suis hyper contente. Merci de me suivre et de regarder mes vidéos. D'ailleurs, j'ai une de mes vidéos, la vidéo sur le... comment dire, la brosse soufflante Philips qui a dépassé les 1500 vues. Je suis juste... waouh quoi, je suis trop contente. Merci. Et je voulais aussi dire merci à Noémie, ma marraine YouTube. Tu m'as aidé à me lancer et je ne te remercierai jamais assez, c'est juste trop cool. Et je suis vraiment très contente de vivre cette aventure parce que ça me fait énormément de bien de tourner, de partager. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et avant YouTube, je parlais pas beaucoup de ma passion du maquillage parce que les gens que je côtoie ne sont pas forcément des interlocuteurs qui s'intéressent à la mode, au maquillage, au make-up, aux dernières tendances, ne serait-ce qu'un petit DIY ou des choses comme ça. Donc ça me fait énormément de bien de pouvoir parler sur quelque chose qui m'intéresse énormément. Récemment, j'ai rencontré Valeska du blog Ava et ça a été un gros coup de cœur. En fait, on s'est rencontrés sur Facebook, elle m'a invité sur un groupe qui parlait des blogueuses et youtubeuses réunionnaises et donc ça a été un vrai coup de cœur, cette rencontre virtuelle. Et il y a quelques jours on a concrétisé cette rencontre, c'était super. Donc à un jour près on a créé notre chaîne YouTube, enfin moi j'ai créé ma chaîne YouTube, elle a créé son blog. Donc elle a créé son blog le 3, elle a créé son premier article 4, moi j'ai créé ma chaîne YouTube le 4 et nos anniversaires sont concomitants. Comme elle avait l'idée de faire un concours, comme on avait parlé, cette idée a germé aussi en moi. Donc je vais faire un concours qui se passera par mail parce que comme vous le savez, on n'a plus le droit de faire de concours commentaires sur YouTube. Donc je vais tout simplement supprimer les commentaires sous cette vidéo pour éviter les jeux participent impromptus. Donc il faudra m'envoyer un mail à concours.prettyflow@gmail.com. Donc ce sera dans la barre d'infos et ce sera inscrit quelque part sur la vidéo aussi. Il n'y aura qu'une participation par personne, mais si vous allez faire un petit tour du côté du blog Ava et que vous récupérez le mot de passe, vous allez pouvoir avoir une chance de plus pour le tirage au sort. Donc pareil, je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos et je vous demanderai aussi de répondre à une question, et cette question est: quel est votre plus gros coup de cœur make-up? Voilà, donc qui dit concours dit lot, donc je vais tout de suite vous montrer les lots que je vais vous faire gagner. Alors il y a des choses que j'ai achetées moi-même et il y a des choses que j'ai eues en échantillon, donc je vous préciserai ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc la première chose est cette petite trousse, donc comme vous voyez elle est encore tout emballé, donc c'est la trousse de la collection de l'année dernière, la collection d'été de l'année dernière de chez Yves Rocher. Je la trouvais juste sublime, donc j'en avais pris une. Au fur et à mesure, je vais mettre les petits lots. Donc vous voyez, elle est encore toute neuve, il y a même le petit sachet de silice. Il fallait absolument que je vous mette des produits de la marque It's Style, parce que j'adore cette marque. Vraiment, c'est une marque qui est à petit prix mais qui a des produits vraiment super. En premier de chez It's Style, je vous ai mis un vernis. Donc c'est un vernis bleu nuit mais qui est irisé et qui est juste superbe. Voilà, donc il est juste très beau. Et c'est le numéro 40. Ensuite, toujours de chez It's Style, j'ai mis un automatic eyeliner, donc c'est un crayon. Alors je vais vous le montrer. Hop. Et c'est la teinte 04, donc c'est un marron. Et c'est un automatic eyeliner comme ceci. Et il est juste super. Il marque très bien. Et je trouve qu'un eyeliner marron, c'est souvent très joli pour souligner un make-up un peu naturel. Ça durcit moins le regard qu'un eyeliner noir. Et je vais le remettre délicatement dans son packaging. Hop, histoire de ne pas l'abîmer.
Et comme je vous disais, ça dure 6 mois le regard, donc un petit trait d'eyeliner marron, ça sublime un make-up, puis ça dépend de ce qu'on a envie de faire, mais voilà, moi j'avais envie de vous mettre un eyeliner marron. Ensuite, dernier petit produit de chez It Style, c'est un fard à paupières, donc c'est celui-ci, donc c'est le 42. C'est un espèce de champagne rosé, très irisé, et qui est parfait pour mettre en valeur sa paupière mobile. Voilà, je le trouve très bien, il peut aussi très bien servir comme point de lumière. Et voilà, il est juste sublime, et quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Alors, je n'ai pas cette couleur là, parce que j'en ai une qui s'en rapproche, mais quand je l'ai swatché dans le magasin, je l'ai juste trouvé superbe, et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse gagner celui-ci. Ensuite, un autre fard à paupières que je trouve juste sublime, c'est le Pepsi Coral de chez L'Oréal. C'est un des fards que j'adore mettre sur ma paupière mobile et rien d'autre. Il est vraiment hyper, hyper, hyper beau. Alors, oui, c'est une couleur claire comme l'autre, mais elles sont toutes les deux différentes. Et ben voilà, j'avais très, très envie de vous les faire gagner. Donc, vous voyez, celle-ci est très, très, très corail et elle est juste sublime. Alors, ce sont des pigments pressés. On peut les utiliser secs ou mouillés et l'intensité humide est juste waouh. Mais même sec, eh ben, ça fait très joli. C'est vraiment très 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 joli. Mon premier goodie, c'est un cache-carte. Donc c'est un adhésif que vous collez sur votre carte bleue. Et je vous l'ai pris en motif Liberty et je sais pas trop, motif un peu géométrique. Et voilà, je le trouve très 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 joli. Moi je m'en suis pris un en motif vert et noir, un peu holographique et très très graphique. Et j'ai pas, par la même occasion, je vous en ai pris un. Voilà, je le trouve trop 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 joli. Et puis bah, comme ça, ça permet de customiser un petit peu sa carte bleue qui n'est pas forcément très 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 jolie. Donc voilà, ça met un petit peu d'originalité. Ensuite, deuxième goodies. Donc ce sont des night patchs. Alors là, ce sont des night patchs holographiques cœur et je les trouve trop 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 jolies. Alors moi, je les ai chopés sur eBay. Je me rappelle plus le nom de la vendeuse, mais je me suis acheté plein de night patchs. Je les mets de temps en temps. Alors je les mets pas forcément quand je tourne une vidéo parce que j'oublie. Et ce qui est bien, c'est que ceux-là, vous pouvez même les mettre sur les pieds parce qu'ils sont très très larges. Il y en a un qui est très très large, donc vous pouvez même les mettre sur vos ongles de pied. Moi, je préfère les mettre sur mes ongles de pied parce que ça tient plus longtemps. C'est plus simple à poser, je trouve, que sur les mains. Ça rentre pas dans la trousse. Je vais me débrouiller, mais ça va rentrer. Ou alors je le poserai, enfin je sais pas, je trouverai un moyen. Troisième goodie, ce sont des mini lima ongles. Elles sont juste trop mignonnes. J'adore le format mini lima ongles, le format boîte d'allumettes. Vous savez, ils ont une boîte d'allumettes. Et celles-ci, elles sont trop mignonnes. Je les ai chopées chez l'Original Shop. Donc vraiment boutique qui aura ma peau parce que c'est très 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 joli ce qu'ils font. C'est... Voilà. Je n'aurais jamais dû rencontrer cette boutique tellement tout est bien, tout est joli. Il y a un magasin à Saint-Gilles, un magasin à Saint-Pierre et un magasin sur Saint-Denis. Et voilà, il y a des antibactériens, merci Andy. Donc voilà, j'adore, j'ai toujours trouvé cette marque super sympa. Et là, elle est à portée de main et à portée de bourse parce que les antibactériens sont à 4€. Donc c'est cher pour des antibactériens, mais voilà, c'est les antibactériens qui ont un petit plus quoi. Si vous avez toujours voulu craquer sur les Bath & Body Works, là vous avez l'équivalent chez Andy, donc c'est assez cool. Donc je vais vous faire un petit close-up de ça. Voilà, c'est pas chou, ces deux petits hiboux là. Alors oui, ce sont des hiboux parce qu'ils ont les petites oreilles et les chouettes en fait n'ont pas les oreilles. Et ça c'est... Merci Noémie pour cette petite précision. Maintenant je m'en souviens. Ensuite je vais vous mettre trois échantillons. Alors le premier échantillon, c'est trois petits rouges à lèvres, enfin quatre rouges à lèvres de la gamme Joli Rouge de Clarins, les rouges prodiges. Et les couleurs sont très 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 jolies. Voilà, les couleurs sont très jolies et il y a même un petit pinceau. Voilà, j'ai trouvé très joli et je m'étais dit que je vous ferais gagner un jour. Et voilà, c'est chose faite, vous allez pouvoir le gagner. Mais ça non plus, ça veut pas rentrer. Je suis vraiment pas douée, hein. J'aurais dû choisir une pochette plus grande. Tant pis, tant pis, tant pis. Ensuite, le deuxième produit, le troisième échantillon, c'est le en deux coups de baguette de Garancia. J'adore ce démaquillant. Alors celui-là c'est à la rose, mais moi j'ai celui à l'amande et honnêtement celui à la rose sent aussi très très bon. Alors pour démaquiller les lèvres, il est juste super. Ça permet de se démaquiller les lèvres en douceur. Le micellaire, je trouve, quand on se démaquille les lèvres, ça laisse les lèvres sèches, c'est très désagréable. Et avec celui-là, bah clairement juste se démaquiller les lèvres, c'est un vrai plaisir.
Alors j'utiliserai pas pour tout mon visage parce qu'en fait, ben voilà, ça fait trop cher. L'utilisation, en fait, même pas en un mois, j'ai vidé les trois quarts de la bouteille, en même pas un mois. Donc je pense que voilà, économiquement, enfin, ça coûte quand même 21 €, voire même plus la bouteille, la grande bouteille, hein. Voilà, c'est un petit peu trop cher pour... Enfin, j'ai pas envie de mettre tous les mois 21 € dans un démaquillant. Donc je l'utiliserai, enfin je le réachèterai, mais juste pour l'utiliser pour mes lèvres. Donc voilà, comme ça j'aurai une utilisation pendant au moins 6 mois, voire plus. Donc voilà, je vous incite à le tester, peut-être que vous l'adopterez en démaquillant complet. Et ensuite, c'est un gloss Sephora, donc c'est celui que j'ai reçu dans la Sephora box. Donc c'est le Pin Up Pink. C'est le gloss ultra brillant et en fait je vous le fais gagner parce que j'ai adoré le gloss Sephora classique, enfin le gloss Sephora que j'ai eu dans le kit To Go. Et vraiment c'est vraiment un chouette gloss, donc je me suis dit que j'avais envie de vous le faire découvrir. Donc je suis pas sûre que ce soit la même texture, hein, bien sûr. Je l'ai pas du tout ouvert, vous voyez il y a encore l'emballage. Voilà, je le trouve juste sublime. Et j'ai oublié un produit de chez It Style, donc c'est un rouge à lèvres. Je vais tout de suite le chercher, je sais pas à quoi j'ai pensé, mais je l'ai oublié. Donc voilà la bête. Donc c'est un effet frosty, donc c'est, enfin, c'est un shiny, mais je trouve qu'il a un effet très frosty, donc c'est le 3. Donc c'est un petit rose, mais qui fait très frosty sur les lèvres. Et je le trouve très joli. Celui-là, moi je ne l'ai pas, mais je l'ai swatché en magasin et voilà. Je l'ai trouvé très joli et je me suis dit que j'allais vous le faire gagner. Donc voilà, c'est à présent terminé. Hop, je glisse cette petite rouge à lèvres dans cette trousse. Donc, tout ne rentre pas, mais c'est pas grave, je me débrouillerai pour qu'ils rentrent ou ils seront posés dans le colis, hein. Ou pas faire autrement. Donc voilà, vous allez pouvoir gagner tous ces lots. Comme je disais en début de vidéo, il faudra m'envoyer un mail à l'adresse concours.prettyflow@gmail.com. Donc voilà, je vous ai présenté tous les lots. Donc je suis vraiment hyper contente de vous faire gagner tout ça. Alors comme je disais en début de vidéo, c'est une participation par personne et ça se fait par mail à l'adresse concours.prettyflow@gmail.com. Donc il faudra répondre à la question: quel est votre coup de cœur make-up? Et il faudra, si vous souhaitez avoir une chance de plus, aller récupérer le mot de passe sur le blog Ava. Pareil, pour les gens qui veulent participer au concours du blog Ava et qui sont venus voir ma vidéo, son mot de passe c'est Pineapple, donc ce sera écrit ici et en barre d'infos. Donc je répète, le mot de passe c'est Pineapple pour avoir une chance de plus pour son concours à elle. Donc le lien de son concours sera en barre d'infos. Et bah voilà, je suis trop contente. Bah, ce concours sera ouvert pendant un mois et je préciserai les dates en barre d'infos. Et bah voilà, je suis hyper contente. Et je remercie aussi très fort mon chéri qui me soutient tous les jours dans cette aventure. Et bah voilà, je suis trop heureuse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !